les kids latines de ma génération. Plein de bisous. Bisous. Salut les pitchounes, on se retrouve pour une petite interview des Kids United Nouvelle Génération. On va leur poser trois petites questions. La première question tout de suite, comment s'est formé les Kids United Nouvelle Génération? Alors tout d'abord on a fait un casting, puis on a été choisis. Et on a enregistré un album et enfin simplement. D'accord, quelques petites précisions de ce côté? Oui, bah, comme elle vient de dire, on a passé un casting pour entrer dans ce groupe. Et les étapes se sont enchaînées très vite. On a vite enregistré un album, commencé nos tournées et après on y est allé. Après la machine s'est lancée. La deuxième petite question, c'est qu'est-ce que ça fait d'être la deuxième génération de Kids United? Bah, ça nous fait très plaisir parce que c'est un groupe qui regroupe de très bonnes valeurs, des valeurs portées par l'UNICEF, des valeurs de paix, de tolérance pour aider les enfants. Et le fait de reprendre ce groupe, et bah, du coup, ça nous fait très plaisir de pouvoir aider les enfants. Un album acheté et une place de concert achetée, c'est 1 € reversé à l'UNICEF. Donc ça nous fait très très plaisir. Et de pouvoir aussi réaliser notre rêve, être devant plus de 4000 personnes tous les soirs, c'est énorme. Et pouvoir chanter, c'est vraiment incroyable. Et vous, de ce côté? Nous, on est vraiment très contents de reprendre justement la suite. Parce que c'est un groupe comme Adjidjiland, on aide les enfants qui sont... en difficulté, qui sont malades, tout ça. Et du coup, nous, on est très contents de pouvoir aider cette cause. Et moi, je suis très heureuse de continuer parce que je faisais déjà partie de l'ancienne génération. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer aussi d'autres petits collègues, on va dire même des amis. On est une famille. Et j'aime bien continuer parce que déjà, on aide les enfants et je fais aussi ce que j'aime. Je peux faire ma passion en aidant aussi d'autres enfants comme nous qui n'ont pas vraiment la même chance que nous. Et on aime aussi faire plaisir aux enfants qui nous écoutent et voilà, on espère que ça vous plaît. Et la dernière petite question, est-ce que vous pourriez donner des petits conseils aux pitchounes qui nous écoutent et qui aimeraient eux aussi se lancer dans la chanson? Alors, si vous voulez chanter, faut pas avoir peur, vous vous lancez si c'est ce que vous aimez, simplement. Alors oui, faut pas que vous soyez stressé, vous faites ce que vous aimez et comme on dit, il faut réaliser votre rêve, c'est le plus important. Alors... N'écoutez pas les gens qui vous critiquent, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et tant que ça vous fait plaisir et que vous êtes content, c'est l'essentiel. Croyez toujours en vos rêves parce qu'ils pourront toujours peut-être un jour se réaliser. Par exemple, je prends l'exemple de Valentina, elle rêvait de faire partie du groupe et de rencontrer Erza et elle a pu réaliser ce rêve et c'est vraiment incroyable. Donc croyez en vos rêves et si vous voulez vraiment vraiment devenir chanteur, vous pouvez faire des castings aussi. Et profiter. Mais sur ces très belles paroles, on va vous embrasser, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview. Bye bye!